En ce mois de février 2012, Daniel Perler, derrière son guichet à la poste de Prangin, c'est évidemment une image d'archive. Parce que depuis le début de cette année, le postier alpiniste vaudois arpente les sommets de la cordillère des Andes, où je suis allé le rejoindre. Bonjour Pascal. Comment ça va? Bienvenue en Argentine. Merci. Bon vol. Hernan, notre guide de Mendoza. Objectif, prendre la mesure de son pari fou de gravir 60 sommets de plus de 6000 mètres durant l'année de ses 60 ans. Alors aujourd'hui, 8 février, j'en suis à 13. C'est un peu moins que prévu, mais ceci est dû à une quantité d'imprévus, puisque finalement on est en Argentine, en Amérique du Sud, et il faut compter avec. Alors que nous venons d'entrer dans le parc régional de la Aconcagua, Daniel Perler va me faire le récit des trois principales difficultés qui lui ont fait prendre du retard dans son programme. D'abord, le postier alpiniste de Prangin a eu la mauvaise surprise de découvrir que certains des sommets qu'il convoitait sont pour ainsi dire cadenassés par les entreprises minières qui les possèdent. Ces sommets, hein, quelques-uns sont exploités au fur et à mesure, et lorsqu'on y découvre de l'or, on peut bien imaginer que la direction de la mine interdise l'accès total ou l'accès puisse être soumis à une demande d'autorisation mais qui peut prendre une semaine, 10 jours, 1 mois, donc qui n'est pas du tout dans ma perspective. Et au chapitre des imprévus, ce n'est pas tout. Tandis que nous nous installons dans notre premier camp d'altitude à Confluencia, Daniel Perler va m'expliquer comment le véhicule tout-terrain de son guide chauffeur cuisinier argentin va lui faire perdre beaucoup de temps dès l'une des premières montées. On arrive au tiers du col, Hernan s'arrête, lève le capot et ça chauffe. Et c'est une situation qu'on a vécue à peu près 20 fois par jour. Donc 20 arrêts, ça représente 20 arrêts, chaque fois remettre 1/2 litre, 1 litre d'eau. Donc on peut dire en un mois, on a fait ordre de grandeur 20 fois 30, entre 500 et 600 arrêts, où il a chaque fois fallu mettre 1 litre, 2 litres d'eau. Finalement, beaucoup plus excédé qu'il ne le laisse paraître, notre postier vaudois va laisser son guide au repos durant notre ascension de la Aconcagua en lui demandant de se procurer un autre véhicule pour la suite. Ici, pas besoin de 4x4, le camp de base du plus haut sommet des Amériques n'est accessible qu'à pied et à cheval. Après 2 jours de marche, nous sommes à Plaza de Mulas, 4300 mètres, camp de base de la Aconcagua. Et en me faisant voir les photos de son début d'aventure, Daniel Perler va évoquer la dernière des grosses difficultés qu'il a rencontrées. La neige, vraiment beaucoup de neige. Et finalement, cette saison, c'est-à-dire décembre, janvier, février, nous ne devrions pas voir de neige sur les sommets que je te fais voir ici. Et cette neige nous a passablement, je dirais, perturbés. Il faut savoir que sur certains sommets, on a trouvé entre 30 et 50 cm de neige. Et ça, c'était aussi un des éléments qui était, je dirais, pas compris dans le pack de base. Quelques déboires, un peu de retard dans son programme, mais malgré tout, de belles satisfactions, parfois dans la souffrance. Sur ces 13 sommets, chaque fois la même joie, le même bonheur. Et puis... de me dire, ben tiens, je suis capable de monter, je suis capable d'aller au bout de moi-même, parce qu'il y a eu des moments très difficiles où j'avais froid aux mains, j'avais froid aux pieds, et malgré tout, le sommet était là, il fallait y aller. Et pour les 13 fois, c'était les mêmes grands instants, bonheur, être près du ciel.
Et près du ciel, le postier alpiniste de Prangin le sera certainement davantage encore dans quelques jours. Ahora es normal que arriba la nieve. Sí, es lo que estábamos esperando. Esperábamos que nevara. Le lendemain de notre arrivée à Plaza de Mulas, mauvaise surprise. Il neige à 4300 mètres et le temps doit donc être encore largement plus mauvais à 6900. Heureusement, notre ascension finale n'est ni pour aujourd'hui ni pour demain. En effet, durant plusieurs jours, nous allons devoir nous acclimater. Aujourd'hui, on est monté à 5003, on va redescendre, on va faire des montées et des descentes de façon à ce que le corps ne soit pas en état de stress, soit plus ou moins habitué à ce manque d'oxygène et surtout fabrique des globules rouges qui vont nous aider à prendre de l'altitude. Daniel Perler et moi allons ainsi passer 3 journées au camp de base et sur les pentes avoisinantes. Ce qui va me permettre de mieux connaître le postier alpiniste de Prangin. Un homme qui a gravi les principaux sommets de la planète, dont l'Everest, et qui logiquement ne devrait pas être fonctionnaire, mais plutôt guide. Ce qui d'ailleurs était son ambition. Et puis la vie en a décidé autrement. J'ai rencontré mon épouse. Rapidement, nous avons eu nos enfants. C'est-à-dire qu'à 20 ans, j'étais déjà papa. À 22 ans, j'étais pour la deuxième fois papa, donc j'ai abandonné l'idée d'être guide. Une situation qui aurait pu engendrer une grosse frustration, mais tel n'a pas été le cas, parce que Daniel Perler a continué de vivre sa passion en amateur éclairé, comme accompagnateur de basse montagne ou à titre privé sur les plus hauts sommets. Parce que si le Vaudois a renoncé au métier de guide pour sa famille, celle-ci le lui a ensuite bien rendu. Alors effectivement, le point crucial, c'est ça, c'est une famille compréhensive, une épouse qui admet que son mari parte quasiment une fois par année ou une fois tous les 2 ans pour 1 mois, 2 mois. Et c'est la grande force de mes 40 ans de montagne, c'est de savoir qu'à chaque fois que je pars, derrière, on est là, on fait bloc, et puis on apprécie et on admet surtout ma façon d'être. Et pourtant, la situation n'a pas toujours été aussi facile que ces dernières années. Aujourd'hui, contrairement à il y a 30 ans en arrière, où on pouvait donner des nouvelles que tous les 10 ou 20 jours, maintenant on pourrait les donner tous les 10 minutes. On va aller faire ça avec les précautions d'usage. Ça passe pas, et bien ma foi... Grâce au développement du téléphone satellite, les distances sont aujourd'hui réduites, l'information circule. La montagne, parce que finalement c'est elle qui décide encore, d'accord? Et puis alors encore une bonne fin de Saint-Valentin. Je te fais un tout gros bec, je t'embrasse bien fort, et je te rappelle dans 2 jours. Dans 2 jours, quand on aura atteint le sommet, ou pas. Et après seulement 3 journées entières passées au camp de base, nous décidons d'attaquer. Comme nous nous sentons objectivement bien, nous projetons de ne faire qu'un seul camp intermédiaire, au lieu dit Nido de Condores. Là, on va s'installer, passer la nuit, en souhaitant qu'on passe une nuit plus ou moins agréable, et demain matin, de bonne heure, tentative du sommet, ça va passer. Sachant que nous, on n'a que cette option devant nous. Il faut arriver au sommet, une fois au sommet, descendre sur Plaza de Mulas. Mais j'ai confiance. On est bien, on a de la chance d'avoir une fenêtre météo qui n'est pas trop mal pour demain. Donc, suerte, on est bon. Notre volonté en passant la nuit à 5400 mètres, donc assez bas, c'est d'éviter le mal de la montagne. Mais le revers de la médaille, c'est que le lendemain, nous devrons avaler d'un seul coup plus de 1500 mètres de montée et 2600 mètres de descente.
ce qui à cette altitude-là est considérable. Mais nous savons que nous en avons les moyens, ce qui ne m'empêche pas de me poser des questions. On va se faire mal, ce sera pas tellement plus beau qu'ici. Qu'est-ce qu'on va chercher là-haut ? Toute la question est là. Je pense que chaque alpiniste au bas de la montagne se dit ben demain, il faut que je sois là-bas en haut. Mais pourquoi ? Un alpiniste qui a dit, quand on lui a posé la question, pourquoi vous grimpez les montagnes ? Il a répondu tout simplement parce qu'elles sont là. Je crois qu'il y a un peu de ça aussi. C'est vrai que ça va être dur. Demain matin, je pense qu'on va avoir froid, on aura du vent, pleine figure, il va falloir se baisser. Il va falloir se battre. Mais quand on sera en haut, on sera tellement heureux. Et on aura tellement de choses à se raconter quand on sera en bas. Après une dizaine de reportages en haute montagne, essayer de mettre des mots sur les motivations fondamentales des alpinistes reste pour moi toujours aussi difficile. Plus nous approchons du sommet de l'Aconcagua, plus l'oxygène se fait rare, plus les jambes sont pesantes, mais plus nous avons l'impression de vivre quelque chose d'exceptionnel. Là-haut, tout là-haut, nous sommes ailleurs. Et quand on a une fois goûté à ces quelques minutes de bonheur, on a juste envie de recommencer. Daniel, 4 tentatives, 3 succès, c'est la troisième fois que tu es ici en haut. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est ici pour la troisième fois ? Toujours le même bonheur. Heureux, 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 puis on se dit qu'on est proche de quelque chose. Heureux. Un bonheur sur lequel Daniel Perler ne va pas s'attarder. Parce qu'il est difficile de décrire ce genre de sentiment, mais aussi parce que le postier alpiniste de Prangin n'a pas que cela à faire. Il vient d'escalader son 14e 6000 et il lui en reste donc 46 autres au programme. Non, répondez-moi, ouais, ça c'est pas. Ça c'est de l'eau qui vient comme ça. Mm-hmm. Une fois redescendu de l'Aconcagua, je vais encore accompagner Daniel Perler sur quelques autres sommets de son périple. Et je vais prendre conscience des immenses difficultés de son projet. Pare aquí, tiro. Yo creo que la salida va a ser complicado. Sí. D'abord, il y a le problème de l'accessibilité des montagnes. Des heures et des heures de 4x4 sur des pistes improbables à la recherche d'accès parfois bien cachés ou inexistants. Ensuite, il y a la météo pourrie cette année. Et enfin, la configuration même de ces sommets que pratiquement personne ne vient jamais escalader. Il n'y a pas de gens qui viennent pour monter. Il n'y a pas un chaman, il y a beaucoup de cailloux, et c'est très très dur et très difficile pour monter. Hein. À tel point que son guide ne va pratiquement jamais réussir à accompagner Daniel Perler jusqu'au sommet. Bravo Daniel. Mais alors dans ces conditions, quel est le plaisir ? Le plaisir, il est une fois qu'on est en haut.
Voilà, si on part pour une grande course, c'est dur. Ici, c'est dur. Je ne me pose pas la question parce que si je commence à me poser la question, je déboulerai en bas de la montagne vite fait et on n'en parlerait plus. Progressivement, au fil des jours, je vais comprendre que pour Daniel Perler, la beauté seule d'un paysage ne suffit pas. Pour l'alpiniste, le but, c'est de la mériter au prix d'un gros effort. Je recherche le bonheur d'aller au fond de moi-même, d'essayer de repousser le... Voilà, pas de souffrance, parce que c'est un thème beaucoup trop fort, mais de voir mes limites. J'ai de la peine à exprimer effectivement ce que je recherche, que je reçois à chaque fois. Vouloir escalader 60 sommets de 6000 mètres, c'est énorme. Par contre, l'âge de 60 ans n'est pas un handicap. 60 ans aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle représente par rapport à un centenaire ? Moi, je crois qu'aujourd'hui, à 60 ans, si j'essaye de me rappeler mes parents, lorsqu'ils avaient 60 ans, ils étaient usés, ils étaient fatigués par la vie. Et nous, on a la chance aujourd'hui d'avoir quand même une vie plus agréable. Une vie qui permet notamment à une partie de la population d'avoir du temps pour soi. Daniel Perler, lui, a décidé d'en profiter pour repousser ses limites tout en découvrant le monde. Et estime que sa démarche n'a rien d'exceptionnel. Chacun peut y arriver. Chacun peut y arriver. Je ne représente pas le type du surhomme, loin de là, mais de la volonté, oser. Et puis se dire que, après tout, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Seul problème, l'argent. Les voyages et la montagne, ça coûte cher. S'il devait l'automne prochain ne pas pouvoir achever la deuxième partie de sa quête de 60 sommets de plus de 6000 mètres, ce ne serait pas pour des raisons physiques, mais financières. Le postier alpiniste de Prangin n'avait en effet pas bouclé la totalité de son budget au moment du premier départ. Ce qui correspond bien à sa philosophie. Avant d'être sûr de réussir, il faut oser. Ici, pas trop près quoi. Pas fait courir. Hein? Pas fait courir. Non. Et attends, un peu.